Nous connaissons tous les abeilles et leur relation avec l'homme lorsqu'elles donnent du miel. On estime également qu'un tiers de la nourriture que nous consommons chaque jour repose sur la pollinisation, principalement par les abeilles. Mais que diriez-vous de contrôler et de commander des abeilles? Tout le monde ne peut pas faire cela, sauf cet homme. Il dit qu'il est le roi des abeilles. Il contrôle les abeilles depuis plus de 30 ans. Il leur fait faire des choses extraordinaires. 1000 abeilles couvrent son corps, créant ainsi ce qui ressemble à un costume. Il a un contrôle très profond sur les abeilles. Il a étudié les abeilles et leur communication pendant toute sa vie, devenant ainsi leur roi. Il a toutes les abeilles sous son commandement et ses abeilles réagissent en protégeant son corps. Il utilise cette méthode et le résultat est assez choquant. Vous pouvez voir qu'avec la connaissance, une force de la nature aussi incroyable qu'elle soit peut être contrôlée. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos. Il dit qu'il est le roi des abeilles, et c'est très simple d'être le roi des abeilles, d'après la façon dont il explique. Vous pourriez penser comme lui que c'est très facile, mais il a tout d'abord cherché à être la reine des abeilles, pour avoir un contrôle intentionnel sur elles. Il peut amener les abeilles sur son corps, et cela l'a payé à différentes occasions, comme lorsque les abeilles envahissent un endroit habité. Les gens viennent le chercher pour qu'il aille les chasser, et sécuriser cet endroit. Il est devenu une superstar à cause des abeilles. Beaucoup de gens ici l'appellent le roi des abeilles. C'est ainsi qu'il gagne la plupart de ses revenus en vendant du miel. Il a gardé ses abeilles pendant une longue période. Il dit que sans lui, dans la vie de ses abeilles, leur vie serait incomplète car il est leur roi et il est censé leur donner des ordres. Être responsable de tout cela signifie qu'il est non seulement le roi, mais il doit aussi protéger la ruche, récolter du miel, prendre soin des abeilles pour qu'elles puissent en refaire. Les abeilles ont une importance culturelle et environnementale. En tant que pollinisateurs, producteurs de miel et de produits médicinaux, le mouvement des pollens entre les plantes est nécessaire pour que les plantes fertilisent et se reproduisent à la fois cultivées. De nombreuses personnes dans le monde ont élevé des abeilles et ont gagné beaucoup d'argent en apiculture. Mais peu de gens peuvent les contrôler comme cet homme. Et c'est ce qui le rend spécial. Depuis son enfance, il a élevé les abeilles. Il les élève depuis maintenant 30 ans. Ce faisant, il est passé d'un apiculteur ordinaire à une personne extraordinaire. Quand les gens le voient se promener avec toutes ces abeilles, ils trouvent cela incroyable. Tout le monde se demande comment c'est possible. Il inspire beaucoup de gens dans cette région qui n'ont jamais pensé que cela serait possible. Parfois, il leur donne même des cours. Un jour, ils seront diplômés et pourront maîtriser les abeilles à leur tour. Puis, ils les rejoindront. Ce jour-là, ils nous inviteront à faire un défilé d'abeilles dans la ville. On a hâte de voir ça. L'homme avertit tout le monde
de ne pas essayer cela à la maison, car cela est très dangereux pour tous ceux qui peuvent essayer de le faire. Il lui a fallu particulièrement 30 ans pour maîtriser cette technique. Il sait que c'est très risqué et peut même entraîner la mort. Augustin est aussi apiculteur. Son père et son grand-père ont aussi fait ce métier d'apiculteur. Se retrouvant dans cette vie, il a très vite aimé et a commencé à le pratiquer aussi. Il dit que l'homme est extraordinaire pour lui. Il a une façon spéciale de parler aux abeilles et elles l'écoutent. Il a un poème qui rend les abeilles heureuses et n'importe quand elles écoutent ce poème. Il peut extraire le miel facilement dans la ruche, sans effort. Nous sommes inévitablement séparés par une barrière invisible, créée par nos différents signes de perception, à contrôler le marais. Nous devons apprendre comment le faire. Cet homme dit, en tant que croyant, il croit que l'être humain devrait avoir la domination sur chaque espèce animale. Comme il est écrit dans la Bible, Dieu a donné à l'homme la domination sur les animaux. Il faut une coopération avec la nature. Mais l'utilisation du mal pour obtenir un gain rend la terre inhabitable. C'était là son conseil. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de la sortie de nos prochaines vidéos.